Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de SSX qui utilise une fonctionnalité de sauvegarde automatique. C'est incroyable. Non, non. On va jouer SSX. Donc, difficile de dire si c'est réellement une suite au SSX sur PS2 parce qu'il y a un écart énorme au niveau de la date de sortie entre le dernier SSX. Et celui-ci, hein, puisque normalement celui-ci est sorti en 2012. Et autant vous dire que 2012, en comparaison avec celui qui était sorti sur PSP, je crois, en 2006 ou 2007, le One Tour, le dernier, et ben ça fait un sacré, ça fait une sacrée différence. Et donc du coup, bon, on va essayer de voir un peu ce que ça donne. Alors c'est un jeu qui n'a pas permis de renouveler la série, honnêtement. Enfin, dans le sens où bah, les gens n'ont pas forcément adhéré. Pourtant, le jeu ne manque pas de... Enfin, le jeu est quand même next-gen, quoi. Enfin, il y a quand même des nouveautés, etc. Mais je me demande si c'est pas une histoire de contexte. Enfin, on va en parler au fur et à mesure. Alors là, j'ai l'accueil. Si je fais Select, voilà, j'ai quelques options. Donc, on va aller dans les paramètres rapidement. On a les commandes normales, les commandes classiques. J'ai pas envie de mettre les commandes classiques, mais on va laisser en mode normal quand même, on va laisser sa place à la nouvelle configuration. On va pas faire le didacticiel, enfin, de toute façon j'ai déjà passé un ou deux événements que l'on va refaire évidemment pour vous montrer. On a les paramètres audio, voilà, avec le volume des voix, etc. La musique de SSI, etc. Alors, j'ai peur de me faire un petit peu striker certaines musiques, donc je suis désolé. Je vais baisser un petit peu. On va mettre un remix, comme ça c'est bon. J'espère qu'on n'aura pas de problème à ce niveau-là. Bon. On verra bien. On peut mettre une musique personnalisée, ça c'est bien. C'était un peu comme par exemple sur Wipeout. Ça permettait par exemple de mettre des MP3 sur la console. Et pour le coup. Et bah de pouvoir mettre ses propres chansons, ça c'était vraiment bien. Et la calibration vidéo, bah, c'est au niveau de l'atteinte, donc pour l'instant, il n'y a rien à faire parce que c'est au niveau de la télé qu'il faut le faire. Donc on va laisser comme ça. On a un manuel, donc la musique. Personnalise ta musique. Liste album, artiste, genre. Il me semblait que je m'étais amusé à mettre des musiques, mais il les trouve jamais, donc j'ai pas dû le mettre au bon endroit, c'est pas grave. On va faire retour. Donc là, si on veut jouer en ligne, il faut avoir accès au net, ce qui n'est pas le cas ici. On a des badges. Alors, oui, on a des badges à débloquer. Ça permet par exemple, bah, ça permet rien, mais disons qu'on peut, voilà, par exemple, dépasser 75 km/h, dépasser les 200, rester à 100 pendant 20 secondes. On a des trucs en mode survie, on a du matériel, par exemple, ramasser un géotag ou flocon de neige. Il y a pas mal de choses à faire sur les pistes, vous allez voir. Je vous parle vite des menus et puis après on passe à la suite. Donc crédit manuel, bon voilà, vous avez compris. Il n'y a pas tant de choses que ça en vrai dans le menu. Rater.net et donc on peut se connecter au savarié qu'on ne pourra pas faire ici. Donc on a le World Tour avec 9 descentes de la mort, on a le mode exploration, on a le mode épreuve monde. Je vais vous montrer le World Tour pour commencer. Et donc on peut faire tourner la planète, voilà. Alors c'est intéressant parce que regardez. Regardez quand même le monde dans lequel on est. On a l'Australie qui est sous la neige. On a la Russie qui est sous la neige. Bon, l'Himalaya évidemment. Mais on a quand même un bout de l'Inde qui est sous la neige. Là, je sais pas trop ce que c'est. Non, j'ai pas l'impression que ce soit de la neige. Mais en gros, jusqu'en Espagne, en Italie, c'est la glaciation. Hein. Là, on est revenu 6000 ans. C'est 6000 ans, j'exagère. On est revenu 60 000 ans en arrière. Je sais pas pourquoi, mais il y a de la neige partout. Bienvenue à la première étape du défi SSX, les descentes de la mort. J'ai pensé qu'on pouvait commencer à la maison, après tout, rien de tel que les rocheuses. C'est toujours bien de montrer l'exemple. Alors c'est moi qui vais m'y coller. Les rocheuses sont pour moi. Ici, c'est de la pure race de backcountry comme on l'aime. Ou pas, si on n'est pas préparé. Ce spot est truffé de sauts de fou, de rails énormes à grinder et d'arbres qui sont là pour gâcher la journée. Ma board et ma combi ont été conçus spécialement pour encaisser tous les coups qui m'attendent sur les pentes des rocheuses. Mais c'est mon talent de rideuse qui va m'amener jusqu'à la descente de la mort du Mont Robson.
J'ai prévu quelques courses en chemin pour nous entraîner et aussi des épreuves diffusées en direct pour régaler tous nos fans en ligne. Allez, il faut pas les décevoir. Ok, donc on a le mont Whitehorn, le mont Robson et le Extinguisher Tower. Alors, le mont Whitehorn, c'est le premier que vous allez pouvoir faire, puisqu'il y a trois éléments à faire avant, dont un tutoriel qui est ici. On a par exemple un mode avec une course, et un autre mode où il faut faire un nombre de points déterminé, donc celui freestyle. Alors, ce que je vous propose de faire, on va faire un des trois, puis après on fera la suite. Donc déjà on peut voir qu'on est gardé un petit peu dans l'ambiance Giant's Cool de l'époque, c'est-à-dire voilà, c'est impressionnant, tout est fait pour pouvoir s'éclater, enfin c'est génial quoi, vite à vie, vite à life. On retrouve les personnages d'ailleurs de certains SSX, hein, regardez, on a Elise, on a Kaori, on a Alex. Par contre j'étais incapable de savoir comment changer notre personnage. Donc là par exemple je suis avec Zoé, celle qui nous a parlé dans le menu. Écoutez, c'est parti, on va lancer. Alors, on peut commencer le run, on peut évidemment changer la combinaison ou la board. Mais pour faire changer de combinaison, on peut voir ici ce que ça donne à gauche, il faut donc l'acheter. Là, par exemple, j'ai 45 000 crédits, ce qui en soi est plutôt pas mal. Mais on va pas le faire, on va conserver peut-être pour un autre mode. On peut faire afficher plus. Voilà, pour l'instant je n'ai rien acheté. Et les boards aussi, normalement je peux en changer. Et vous pouvez voir que ça change aussi les caractéristiques. On a par exemple la vitesse rare, elle fait plus 21 en vitesse, mais on perd du boost et du tricks. Là c'est plutôt le boost qui est mis à l'honneur, là c'est plutôt les tricks. Donc chaque board va avoir son avantage, par exemple, pour faire tel ou tel mode de jeu. Si je prends par exemple celle-là, ça sera plutôt pour faire du freestyle. Si je prends celle-là, elle améliore un peu tout. Et si je prends celle-là, c'est surtout pour avoir de la vitesse. Donc à la limite on pourrait s'en acheter une. Là on est en mode freestyle, donc on va prendre celle-là. Voilà, voilà. Et j'ai eu un trophée, j'en ai trop fait. Voilà, ça c'est des ICL, on s'en fiche, on va faire retour. Et du coup au niveau de la board, eh bien, on va prendre celle qu'on a débloquée. Bah c'est bon, on l'a déjà, on va faire équiper. Une fois qu'on est équipé, bah, commencer le run, c'est parti. Alors c'est la suite de ces six spirituels dans le sens où ben voilà, c'est toujours aussi impressionnant, on arrive en hélicoptère, on a. Voilà, donc on va démarrer avec l'avion, là qui décolle, c'est super. Hop là. Et donc c'est parti. Alors on a quelques touches qui ont changé, par exemple c'est R2 pour utiliser le boost. Là je viens de débloquer quelque chose, c'est un petit bonus, c'est le fait d'avoir fait un tricks juste au-dessus de l'hélicoptère. Donc, si on appuie sur carré, on prend les éléments qui sont proches de nous, on peut toujours faire des figures évidemment, voilà, là je vais essayer de continuer mon combo, voilà ça c'est bon, hop, ah sauf que là j'ai échoué, je suis tombé. Donc carré c'est pour prendre des éléments. Quand on utilise le boost avec R2, le boost est beaucoup plus puissant, vous en rendez compte, par rapport aux anciennes versions de SSX. On a les éléments qui sont bien marqués en rouge. Alors là, je me suis demandé si à l'époque, ils avaient pas un peu. C'était pas un peu inspiré de Mirror's Edge. Je sais pas si vous sonnez du jeu Mirror's Edge, mais en gros, tous les. Ouah, attention. Tous les éléments qu'il fallait prendre, par exemple pour grimper au mur, pour glisser, etc. Eh ben, ça avait tendance à être ce genre de choses. C'était marqué par la couleur rouge. Là, ils ont fait un peu pareil. J'ai complètement raté l'arbre. On peut se pencher vers l'avant ou vers l'arrière pour aller plus vite. Voilà, donc ça, si je mets vers l'avant, j'ai un peu plus de vitesse. C'est un jeu qui s'est encore plus simplifié. En tout cas, dans la fluidité, dans le maniement. Et je vais pas dire que ce que je lui reproche, loin de là, parce qu'il faut quand même que ça reste un jeu fun, hein. SSX a toujours été un jeu fun. Les gens ont aimé ça parce que c'était très spectaculaire. Et, bah, décidément, je les rate tous. Non, j'arrive pas à les prendre, c'est un truc de fou. Non, là, j'arrive pas, j'ai encore échoué. Donc là, le but, c'est d'enchaîner évidemment les tricks ou les combos. C'est-à-dire que je vais faire une figure ici.
Je peux tourner par exemple. Je vais mettre un peu de boost. Voilà, pour aller plus vite. Voilà. Low jump, on tombe sur la... on tombe dans le vide. Le jeu est devenu encore plus arcade. Et ce qui m'embête un petit peu, après vous en penserez ce que vous voulez, c'est que, voyez là par exemple, le jeu, honnêtement hein, j'ai fait trois trucs un petit peu avant, histoire de m'entraîner à viteuf. Mais regardez ce que je fais, c'est complètement du n'importe quoi. Alors c'est classe parce qu'effectivement on fait des loopings de partout, on enchaîne les points, enfin c'est jouissif, c'est vraiment ce qu'on aime dans les SSX, c'est qu'on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour se prendre la tête. Mais je trouvais que les anciens SSX demandaient un peu plus de skill au niveau des figures. Là, c'est vraiment... On est entré dans du n'importe quoi. Vous avez vu la vitesse des tricks. Et encore, j'ai raté pas mal de sauts. Je sais même plus quel score j'ai fait. J'ai fait 1 million, 188 000. Je devais faire, je crois, 400 000 pour battre... pour avoir l'objectif. Bon... C'est le premier objectif du jeu, donc évidemment c'est facile, c'est pas ce que je sous-entends, après ça va augmenter en difficulté. Mais le fait, dès le début, de pouvoir faire des trucs de fou, bah ça casse un peu le côté... Waouh, j'ai fait un truc de fou justement. Parce que comme dès le début t'as l'habitude d'en faire sans trop faire grand chose, bah tu te dis, bon bah après qu'est-ce que ça va être quoi. Alors le but évidemment c'est d'enchaîner les combos, de faire encore de plus en plus, d'aller de plus en plus vite, enfin c'est ça qui est intéressant. Donc il y a quand même du challenge à ce niveau-là. Là, on a débloqué le Extinguisher's Tower. Si je vais dans le mort Robson, par exemple, ils vont nous dire qu'il faut qu'on ait une armure pour pouvoir le faire. Regardez-moi les montagnes. Je sais même pas ce qu'ils ont. Je sais même pas si c'est des vraies montagnes. J'ai pas l'impression, honnêtement, parce que les trois pics en question, je ne les reconnais pas. Après, je suis pas non plus un expert en ski ou en montagne. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je reproche déjà au jeu, c'est ça, c'est ce côté. J'ai l'impression d'être déjà avec un perso ultra cheaté qui fait des trucs de fou. Alors qu'on a à peine commencé le jeu, quoi. Donc là, par exemple, j'ai une course. Il faut une armure. Les filles vont m'aider à me préparer pour la descente de la mort. J'espère que Wizard n'a rien repéré de trop dangereux. Je sais pas, qu'est-ce que c'est, Wizard. Là, il faut une armure, par exemple. Matériel. Armure supérieure de Zoé. Donc là, par exemple, on voit niveau à gauche, on est niveau 4. Et pour pouvoir l'acheter, Une armure te protège des collisions avec les arbres, des rochers et des avalanches. Elle a pour attribuer la durabilité et la régénération de santé. La durabilité, c'est le nombre de chocs que l'armure peut encaisser avant de se briser. Et la régénération de santé, c'est la vitesse avec laquelle ton rider récupère des chocs après que ton armure s'est brisée. J'ai toujours du mal avec s'est brisé, j'aurais dit que ce soit brisé, mais bon, c'est... ça se dit. Donc vous voyez, par exemple ici, on a en boutique plusieurs armures, donc on dit niveau 6, mais finalement, je peux en acheter une quand même. Donc on a une multi-usage, récupération de santé, ben, on va prendre la plus chère, donc j'imagine que c'est la plus intéressante. Moins 10, moins 21. C'est marrant parce que j'achète une armure et ça me fait baisser mes stats. C'est quand même bizarre. Je vais prendre la plus chère, mais en fait, elles ont chacune leur stats différents. On va prendre la première. Hein. Voilà. Donc on va faire équiper. Donc là j'ai une armure. Donc normalement. Alors chance de survie, regardez, on a changé de survie. Enfin, voilà, carré pour optimiser. Donc là il m'a changé la board automatiquement. On va faire retour. Et mince, je suis en train de me dire que j'ai fait retour. Mais ça devrait être bon. Commencer le run. Voilà, donc j'ai mon armure. On l'a équipé. On va pouvoir faire du coup la deuxième montagne. Et ils disent qu'effectivement, si on est du genre old school, on peut utiliser les anciennes commandes. Alors, je n'ai pas parlé, mais les tricks ne se font plus vraiment avec la direction du personnage. Maintenant, pour pouvoir faire la direction, il faut utiliser le joystick droite. Alors, au début, c'est pas évident. Quand on a eu l'habitude des SSX les tout premiers, ça change un peu. Mais comme ils offrent la possibilité de garder les contrôles des anciens SSX, pourquoi pas. Mais j'ai quand même préféré voilà, vous laisser... dans ce mode-là. Donc là, il faut être dans le top 3. Voilà, donc là, on a des gens contre nous. Ouais, effectivement. Alors, on a l'armure qui est là. Bélumineux, je sais pas ce que c'est. Bon, là, par contre, on s'est pris tous les murs, c'est génial. Olé. Olé. Ouh, ça va très vite.
Alors là, je pourrais utiliser mon boost, mais autant vous dire que je ne sais pas ce qui se passe. Oh mon dieu, que ça va vite. Wow. Là, par contre, on est d'accord, ça va super vite. Faut que je termine dans les 3 premiers. Oh la vache! Ah, j'ai du mal à savoir où j'en suis. Je me suis tout pris, c'est magnifique. On est combien là? Les 3 premiers, on a dit, hein. Alors évidemment, on entend les persos parler. Ça m'étonne pas trop. C'était comme dans les autres SSX. Je sais pas si on a un système de rivalité, je ne pense pas. Alors vous pouvez voir, par exemple, cette descente, elle est sympa, hein. Enfin, elle est dans la nuit et tout. On a des trucs lumineux pour nous montrer le parcours. Par contre, on est d'accord que c'est vraiment très difficile d'anticiper ce qui se passe, hein. Donc là, on a des baies lumineuses. On va mettre un peu de boost, parce que ça me fait plaisir. Voilà. Oh mon dieu! J'ai l'impression de me faire tirer dessus à chaque fois. C'est très bizarre! J'ai l'impression de me faire exploser. Ah là, j'ai raté le petit flocon vert, malheureusement. On va utiliser le boost. On a terminé. Et on a fini, premier. Donc là, on a réussi du premier coup, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, c'était très très fouillis, on voyait pas grand chose et honnêtement, j'ai pas surkiffé. Voilà, je vous le dis direct. Parce que le circuit était trop étriqué, on voyait pas grand chose. J'ai eu l'impression de subir en fait. À aucun moment, je me suis dit, bon, bah là c'est bon, je vais pouvoir anticiper gauche-droite. Non, non, là c'était tellement proche les virages que c'était pas forcément amusant. Par contre, ça avait un niveau de difficulté qui était correct, hein, pour un début. Et du coup, on a débloqué le mont Robson. C'est le mont pour lequel je me suis entraîné. Il faut que je montre l'exemple au reste du team en gagnant la première descente de la mort pour SSX. Ok. Donc là, déjà par défaut, il nous a mis cette course. C'est-à-dire que le jeu est assez, nous dirige un petit peu, hein, en disant vas-y, voilà, ça c'est bien. Donc on va le faire. On est à combien? Oui, la vidéo, ça va. On est dans les temps. Alors, évidemment, niveau 6, c'est pour avoir l'armure de niveau supérieur. Voilà, donc pour l'instant, on est toujours niveau 4 avec notre barre de progression. On est à la moitié, un peu plus de la moitié du run. Par contre, j'ai beau optimiser au niveau du matériel. Oh, ça vaut cher, ça, maman! C'est laquelle la plus chère? Je veux la plus chère. 34%, 35%. Oh là 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 là. On n'a que 34% de chances de survie. Mon Dieu. Alors ça nous apporte rien. Et au niveau des boards. Ah, on a un truc aléatoire à la boutique. C'est un objet surprise qui sera révélé que lorsque l'on aura acheté. Alors ça, merci, on dirait une loot box quoi. Pour 36 000, j'ai 38 000, je sais même pas si je le tente. Bon, on va rien acheter, on va garder ce qu'on a déjà. Et on va lancer le rêve. Alors, descente de la mort, arbre. Arbre. Ok. Merci du conseil, Jean-Pierre. Alors pareil, une chose que j'aime pas trop, bon, on sait que c'est un peu futuriste. Fais attention. Il y a vraiment un mec qui s'est dit, je vais marquer ça. Fais attention. Allez, c'est parti. Eh ben écoute, on va y aller, hein. Oh là là là, déjà j'ai l'impression de prendre tous les murs du monde, c'est incroyable. Non mais regardez. Là, je me suis retrouvé de l'autre côté, je sais pas pourquoi, voilà, ok. Hop là, ok. Mon dieu. Alors mon armure, voilà, on a le niveau de l'armure qui est en bas, on est à la moitié.
Donc on va essayer de la faire, hein. Jusque là, rien à dire, c'est qu'il y en a partout. Alors je pourrais m'aider à faire des tricks, mais je ne le fais pas. Oh mon dieu, l'armure, regardez-moi ça, j'ai déjà perdu la moitié de mon armure. Hein. On va essayer quand même de la réussir cette descente. 1,7 km restant. Ok. J'aurais bien voulu prendre le petit arbre pour faire voir le tricks. Voilà. Bon, apparemment, pour l'instant, on s'en fiche, hein, il suffit juste de la réussir. Oh, papa, j'ai raté, je crois. Oh mon dieu. Là, si on arrive, là, on va pas arriver jusqu'au bout, je sens. Ah, c'est bon, c'est passé. Il y a des arbres partout. Ça, c'est bon. Ça, c'était en dessous, heureusement, on a de la chance. Oh là là. Oh, il nous reste 45 400 mètres. Bon, on va réussir, je pense. Allez, grosse concentration, c'est bon, c'est passé. Ouf, on a terminé. Bon. Ok, donc là, le but, vraiment... Enfin, je m'attendais pas à ce que ça... Bon, c'était vraiment juste de terminer la piste sans mourir. Bah écoutez, pourquoi pas. C'est un nouveau mode de jeu, ça. On n'avait pas ça avant, je crois pas. Avant, on avait un CSSX, on avait le mode freestyle, donc le mode faire le plus de points. On avait la course. Et je crois que c'est tout. Là, puis on avait le halfpipe aussi. Bon, voilà, on a réussi. Donc ça, c'est bien. On a gagné une expérience. Et on a terminé la région des Rocheuses. Et du coup, on a débloqué la Patagonie et la Sibérie. Alors, vu que le monde entier est quasiment sous la neige, je pense pas que ça change grand chose, mais bon, pourquoi pas. Attendez, on va faire de la moto, c'est un nouveau jeu. Waouh, quelle belle introduction, c'était incroyable. Alors du coup, on a réussi à débloquer donc les rocheuses et on a donc les deux nouveaux massifs à tester. On va tester un des deux. Alors la Sibérie, en vrai, ça ne vaut pas tant de ça parce que on est déjà dans la neige, donc en fait, je vois pas ce que ça va changer. Par contre, la Patagonie, pourquoi pas. Par contre, je sais absolument pas. Si je fais start, il se passe rien. Notre objectif ici, c'est la face nord du Pic Troll. Du haut de ses 3375 mètres, c'est l'un des versants les plus pentus du monde. Mais il faut pas brûler les étapes. Il y a un paquet de spots à rider avant d'y arriver. Et Elise, ma grande, c'est à toi de jouer. Mais fais attention, c'est un labyrinthe fait de canyons tortueux, de pics rocheux et d'arêtes au-dessus de précipices qui vont te tordre l'estomac. Oh, et il te réserve quelques surprises. Pour le team SSX, c'est des vacances, l'endroit idéal pour sortir les wingsuits. Parce que vu les appliques et les gouffres de la taille de terrain de football, aucune piste ne sera facile. Attendez, il y a des wingsuits dans le jeu là, sans déconner. Ah oui, d'accord, ok, ça va devenir ATX... Comment s'appelait le jeu de ATV? Il y avait un jeu de Sega, à l'époque, où on enchaînait durant la même course le vélo... Le delta plane, je crois qu'on faisait de la course, enfin c'était tout d'un coup. Et là vous allez me dire qu'il y a un wingsuit. Alors le Cerro Polonais est un étroit sommet doté de tracés pentus et rapides, un terrain de jeu pour ceux qui, équipés de wingsuit, auront le courage et le talent de s'envoler entre les pics rocheux et par-dessus les crevasses profondes. Eh les gars, vous êtes pas allés un peu loin là?
Alors, on va essayer. On va prendre le... Il y a Weirdville, Science et... Alors, on va prendre celui-là. Et du coup, on a un autre personnage, du coup, ça va être Ellie cette fois-ci. Donc, je pense avoir compris. Dans ce mode de jeu, on va faire donc le mode aventure. On aura des personnages différents. Du coup, on va pouvoir un peu tous les tester. Et après, ce que je vous propose, on va faire celle-là. Et ensuite... Ah bah non, même pas! C'est toujours le même perso. Bon, puis... Est-ce que j'ai besoin d'un... Je sais pas comment utiliser le wingsuit, moi. Toujours niveau 4. Bon, on va prendre cette board. Et on va l'équiper. Niveau matériel, bah... Armure multi-usage, récupération de santé... Armure multi-usage... Ah, il y a des trucs rares, là. Et là, j'ai quoi pour le moment? Super de Zoé... Bon, on va laisser ça par défaut. Et j'ai fait le mauvais touche, on va faire commencer le run. Oui, j'ai oublié de dire, on peut revenir en arrière en faisant R1. Alors, c'est pas illimité, mais on peut. Mais on peut revenir en arrière, voilà. Donc ça, c'est... Bon, pourquoi pas. J'ai l'impression de revoir le jeu de Grid. Toka Reservoir Grid. Qui permettait aussi de faire des retours en arrière, puis évidemment la série des F1. Donc on a la même chose sur SSX. Par contre, je n'aime absolument pas mon perso, je la trouve trop agressive, trop méchante. C'est ce que j'aimais bien dans les tout premiers SSX, c'est que certes, ils avaient leur... il y avait des persos un peu kékés, même dans le tricky, c'était pareil. Mais il y avait un côté beau d'enfant, un côté gentil. Là, c'est toujours le côté méchant un petit peu des personnages, tout est agressif, et j'aime pas du tout ça. Pour gagner, arrive en bas avant Elise. Waouh, ça commence bien là. Alors moi je veux bien, mais... Oh putain le bordel. Oh là là là, attendez, il y a des trucs que je ne comprends pas là. Oh aïe aïe aïe. Il y a des crevasses partout, je suis censé faire quoi? Oh là 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 là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bon, faut que j'arrive avant elle, jusque là, bon... Voilà, on va faire un peu de... Alors, par contre, le tracé est incroyable, on va pas se mentir quand même. Ça, c'est c'est plutôt ce à quoi je m'attendais pas du tout. Mais vous êtes d'accord que c'est toujours dans l'assurance chère. Hein. Mais bon, c'est pas pour me déplaire, j'avoue, pour une fois. Oh la vache! On est tombé complètement. Ouais, il y a plusieurs niveaux de. Ça va, on tombe pas dans le vide complètement. Il y a quand même. Par contre, j'ai absolument pas de boost là. Bah là on sera plus devant puisque je suis en train de... Non, là j'ai mis le rewind par vous avez vu. Oh j'ai fait un melon tweak, j'ai cru qu'il y avait marqué Elon Musk au début. Oh là là, Elon Musk... Ça sert à rien mais j'aime bien le faire, c'est drôle. Là par exemple si elle a pas le tourni à la fin du tweak, je ne comprends pas. Et je crois que je n'ai pas compris le délire, il faut que je gagne la course à la base hein, donc... On va commencer à accélérer. Là je suis dans un avion. Ouais, t'es caté, mec, ton. On est là. Et j'ai encore appuyé sur R1. Elysium Alp. Là, j'ai été sauvé par le grind. J'ai mis tout ce que je pouvais là. Alors on gagne, mais ça c'est pas... C'était pas de beaucoup. Hein. J'ai toujours kiffé disputer les courses contre toi, Elise. Je sais que tu vas faire honneur au team SSX en Patagonie. Allez, on a gagné. J'ai débloqué Elise. Ah, ben voilà. Enfin, on a débloqué un personnage. Capitat. Je ne peux pas croire que j'ai signé pour ça. J'attendais ce moment depuis toute ma vie. C'est difficile de traduire rapidement l'anglais.
Je me suis coupé les dents sur le circuit pro. Oh, j'ai pas compris. Et quand j'en ai fait, quand j'ai tout fait et que j'ai tout gagné, j'ai marché. Je n'arrive pas à comprendre. Alors tu es partante. Je ne peux pas laisser une fille. Oh mon Dieu. Au secours. Bon, allez, donc. donc on a les deux monstres héros. Et on a débloqué un personnage, donc ça fait plaisir. Et on a Kaori, Mobip, Simone qui étaient dans les anciens SSX. On va faire un retour, on va changer de mode de jeu. Là on était dans le mode World Tour. On va voir un petit peu les autres modes. Par exemple, là on a le mode exploration, le mode épreuve monde. Épreuve monde c'est quoi? Ah non, c'est que l'internet. Ok. Ok, on va faire l'exploration. Alors on a la Nouvelle-Zélande, on a les Rocheuses, on a l'Alaska. Alors attendez, Nouvelle-Zélande, ça m'intéresse par contre. L'Antarctique, la Patagonie. Ok, bah Nouvelle-Zélande, c'est parti. On a le Massif Vignon, le Mont Slaughter, le Mont Cradock. Ah, potentiellement, c'est vraiment les vrais monts, hein. Je sais pas, j'avoue. Attendez. J'ai pas dit l'Antarctique, j'ai dit que je voulais la Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est mieux. Wingfield, mon Tasman, comme Tasmanie, et Aoraki. Avec sa rivière glacée en guise d'épine dorsale, le Mowgli est un monstre glacial à décourcir au Raïtan Novi, chute de neige, couloir. Ok, médaille cible. Comment ça, zombie et jetpack, bulldog, bulle de course, le réveil du tigre, Trix. Bon, alors on va faire ça là. Et on analyse des personnages, voilà, c'est ce qui me manquait depuis le début, je me disais, mais c'est bizarre. Donc voilà, on a débloqué Elise en mode normal, je pense. Donc il y a Zoé qui est là, on a Elise, on a Mac qui était présent. Alex, je ne l'ai pas connu, je pense que c'est dans un autre SSX, c'est pas le premier en tout cas. Qui est Alex Moreau, évidemment, 26 ans, alias la tueuse de Chamonix. Mannequin, détentrice de 17 records du monde dans ce moment. Évidemment, elle est mannequin, enfin, je veux dire, c'est logique, toutes les femmes dans les jeux sont des mannequins. On a Tain Nouméa, Mouméa, Mouméa, décidément, à Fidji, alors ça, il y a moyen de se tromper. Pour l'acheter, c'est 25 000, j'ai combien? 47 000. On a Kaori Nishidake, elle était présente dans l'FSX. Simon, Moby, Tai, de Norvège, Tai Thorsen, alias Lucky, blablabla. On a Griff, on a. Et là, on revient. Donc, pas mal de personnages. Je vous laisse deviner qui, évidemment, je vais utiliser. Ça sera évidemment Kaori. Ma préférée, désolé. Et on a des bornes matérielles. On a rien matériel? Bouteille d'oxygène t'offre de l'air pur en altitude pour empêcher de perdre connaissance. Elle a pour but du. Ah ouais, on peut acheter des bouteilles d'oxygène. On peut équiper. Ah ouais, non mais là ils ont vraiment fait fort. Ils ont quand même rajouté des trucs. C'est plutôt pas mal. Ils sont pas restés que sur leurs acquis. Par contre, comme le personnage n'est que niveau 1. Bah pour le moment, je ne peux pas acheter des boards très intéressantes. Voilà, donc il faudrait que je l'apprenne pour faire d'autres éléments. Et au niveau combinaison, bon, ça par contre, je peux acheter parce que j'ai assez d'argent. Mais en fait, c'est juste la couleur qui change, j'ai l'impression. Donc on va laisser la combinaison par défaut et on va faire la course. Allez, c'est parti. Je ne sais pas si ce mode de jeu nous permet de débloquer des choses ou pas. On verra. Ah, c'est la nuit. Effectivement, on a la musique d'IA à côté, j'espère qu'on n'aura pas ce problème-là, c'est pour ça que je brode pas mal par-dessus, je suis désolé, hein, mais vraiment, c'est pour éviter d'avoir le son coupé à chaque fois. Voilà, la petite Kaori qui certes est devenue de plus en plus, un peu plus, je ne dirais pas le terme, mais comme tous les gens des SSX, malheureusement au fil des années, c'est un petit peu, voilà, ce que je regrette, je vous l'ai déjà dit, je vais pas le répéter, et donc c'est parti pour cette... Allez, faut que je prenne faut que j'aille le plus possible. Allez, c'est parti. Si tu commences à perdre conscience, maintiens R1 pour l'utiliser. La jauge d'oxygène en bas à droite indique qu'il te reste dans la bouteille. Une fois qu'il n'y a plus rien, tu n'as plus d'oxygène. Eh oh, mais ils ont mis trop de trucs là. Il y a vraiment trop de trucs sur les côtés dans ce jeu. Ouais, on sent que ça va beaucoup plus lentement d'un coup. Alors là, je m'attendais pas à ça, je pensais pas que j'allais me retrouver au-dessus du truc.
Alors, fais un petit peu attention à l'oxygène quand même. Pour l'instant, ça va. Alors, vous allez me dire, ouais, t'as tendance à faire toujours les mêmes tricks. J'ai envie de dire oui. Parce que j'ai pas vraiment le temps de me concentrer sur ce que je vais faire. Hein. C'est un peu ça le problème. Un problème, c'est que je sais pas à quel moment je suis censé sentir que je m'évanouis ou pas. Je sais pas s'il me parle qu'à moi, mais... Oh merde. Ah non, je me suis bloqué! Ah non! Ah, c'était vraiment pas le moment, ça, par contre. Enfin, une troisième, du coup. À quel moment je suis censé sentir que je m'évanouis? Ah non, 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 le bug de collision! Alors, on va finir en troisième. Ah, j'ai perdu beaucoup de temps dans les arbres, concrètement. Du coup, c'était pas. Bon, j'ai un bronze, au moins c'est déjà ça. Enfin, j'ai la médaille de bronze. On a gagné quelques bonus, voilà, 4000. 19 points d'expérience, on est passé niveau 2, donc ça c'est bien, ça me permettra de débloquer peut-être des trucs. Donc là on a aussi une suggestion, c'est le Trix, sur le mont Wakefield. Et là c'est quoi? Réveil du tigre, facile. Bon, on va faire celui-là, on va faire un Trix, tiens. Voilà le build-up. Ouh, il a l'air long, celui-là il a l'air pas mal. Alors vous avez vu les médailles civiles, par contre 11 millions, 6 millions, c'est beaucoup plus important que ce qu'on a fait tout à l'heure. Oui, il fallait faire les 400 000. Bon, je vais garder Kaori parce que j'aime bien Kaori, je suis désolé. Si vous voulez jouer avec les autres persos, bah, faudra y jouer. Alors, pourquoi ce jeu n'a pas marché? Je vous avoue, c'est ce dont je voulais parler d'ailleurs au départ. On en parlera peut-être là. On va en parler maintenant d'ailleurs. Je pense que quand SSX est sorti en 2001 à l'époque, déjà, il y avait une claque graphique tellement énorme par rapport à ce qu'on avait connu dans le monde du snowboard, surtout après les Cool Boarders, etc., sur la PlayStation 1, que bah, bien sûr, ça a fait mouche quoi. Et le côté super fun aussi du jeu, parce qu'à l'époque, ce genre de jeu, c'était plus ou moins, c'était assez semi-arcade. C'était semi-arcade. Et semi-simulation, pardon. Et du coup, c'était certes très intéressant, mais c'était pas vraiment simulation. C'était pas vraiment fun. Enfin, pas aussi fun que SSX. Et SSX était très très fun à côté. Et ça, les gens ont adoré. En plus, c'était rapide, c'était beau. C'était vraiment, je pense, une période, la période fast avec SSX Tricky aussi. Du snowboard. Du snowboard dans le jeu vidéo. Et cette mode, elle est un petit peu passée, elle a un peu stagné après, parce que là, le jeu est très beau, hein. Honnêtement, le jeu est très joli, etc. Mais si vous regardez plus attentivement au niveau des décors, au niveau de ce genre de choses, bah, par rapport à SSX premier du nom, ou 2 ou 3, bah, il y a un petit gap, léger. Mais ce petit gap, en fait, on l'a déjà... Chaque fois, je me fais avoir. Je l'ai déjà vu avec Amped sur Xbox. Donc je trouve que ça me marque beaucoup moins. Que ça aurait pu me marquer. Alors, le boost ne marche absolument pas. Qu'est-ce que ça m'aurait marqué à l'époque de SSX. Donc je pense que ce jeu est certes plutôt joli, mais on n'est plus dans une période fast dans le genre en fait. Voilà. Ce jeu n'est plus dans le. Alors le jeu pour moi est quand même bon. Honnêtement, je pense qu'il est mauvais. Que ce soit les maniements, que ce soit
les tracés, le fait d'avoir ajouté un peu de mode de jeu, un peu de combinaison, etc. Bon, on est d'accord, c'est devenu un peu what the fuck, encore plus que les autres épisodes, mais je le trouve pas mal. Voilà. En tout cas, il mérite pas d'être de se faire démonter. Donc là, je suis en train de m'évanouir, c'est ça? Ça serait bien de pas s'évanouir maintenant, hein. J'essaie de faire des fois 14, fois 15. Voilà, pour valider les tricks. Peut-être qu'avec un fois 14, ça va passer. J'ai fait combien là? Ah, j'ai eu la médaille de médaille d'argent. J'ai fait combien? J'ai fait 1 270 000. Eh, attendez, c'est pas beaucoup, hein. Alors, je pense que si je veux faire beaucoup plus, bon, en plus être meilleur, hein, tout simplement. Je pense qu'il faudrait que j'améliore ma board, donc mon personnage, pour après enchaîner les tricks et aller de plus en plus haut. Donc voilà, c'est... Bah, enfin, on continue le jeu, hein, tout simplement. Donc on a gagné le bronze. Ah, je pensais que j'avais le silver, moi. Ah, j'avais cru. Bon, c'est pas, on va faire retour au globe. Donc là, on a fait le mont Wakefield. Alors, bah on va s'arrêter là, tout simplement, parce que je pense que je vous ai un peu montré. Alors, peut-être qu'il y aura d'autres choses après dans le jeu, ce sera à nous de le découvrir. Mais le jeu m'a l'air assez vaste, assez complet. Il peut y avoir pas mal de tracés différents. Les personnages, il y en a quand même beaucoup aussi. On a deux modes de jeu plutôt sympas. Donc voilà, au moins un jeu qui peut valoir le coup, honnêtement. Alors, je crois pas qu'il y ait une suite à SSX. Vous me le validerez dans les commentaires, je ne suis pas trop intéressé. Faut dire aussi que, comme je disais, le jeu est sorti tellement plus tard que bah, SSX, on a eu le temps d'oublier. Hein. 6 ans plus tard, ouais, wow. Ça serait sorti par exemple en 2008 ou 2007 avec la PS3, etc. Bon, ok, je pense que là, on aurait conservé le truc. Mais au bout d'un moment, je pense que les gens sont passés à la suite. Alors, il y a un autre jeu qui est sorti, oui, c'est un truc de sport extrême, je crois qu'on fait du ski aussi, sur des monts assez incroyables. Je ne sais plus comment il s'appelle ce jeu, mais faudra qu'on l'essaye un de ces jours. En tout cas, voilà, si vous aimez Snowboard, si vous aimez les jeux un peu fun à ce niveau-là, que vous avez bien aimé SSX, bah, celui-là est quand même pas mal aussi. Voilà, c'est pas un mauvais jeu. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve pour une autre vidéo, et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!